Je pense que la diversité des pièces que l'on trouve ici en auto et en moto, et puis tous les points ludiques pour les enfants permettent de découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas sur le monde de l'auto et de la moto. J'ai une préférence pour les motos et principalement les vélos à moteur, et on en trouve ici, que ce soit en tandem ou en vélo simple, des pièces assez sympathiques à regarder. Ben, on redécouvre les autos et les vélos que nos parents et grands-parents utilisaient, et on peut se rendre compte au fil des petites explications que l'automobile d'aujourd'hui n'a rien à envier à ce que faisaient nos ancêtres. Ils avaient découvert beaucoup plus de choses que nous aujourd'hui. Découverte, plaisir et un troisième mot, de belles sensations mécaniques, je dirais. Voilà.